Et comme il a été dit, les gens m'appellent Simpore Lassina. Je suis au Burkina Faso, ancien chercheur en archéologie, mais surtout gestionnaire du patrimoine culturel. Alors, je me suis proposé de m'entretenir avec vous sur le thème de la place du droit coutumier dans la gestion du patrimoine culturel, en prenant bien sûr le cas de notre pays. Et j'ai articulé mon intervention sur les points suivants. Voilà, sur d'avoir une présentation de nos actions sur le patrimoine culturel au Burkina Faso au cours de la décennie 2009-2019. Pourquoi cela? Tout simplement parce que ce que nous allons dire tout à l'heure, c'est ce que nous avons fait effectivement au cours de cette décennie. Et 2009 marque, c'est l'année de mon passage comme stagiaire au niveau du Pôle international francophone. Et 2019, c'est l'année de la dernière inscription obtenue sur la liste du patrimoine mondial. Ensuite, je vais expliquer pourquoi il faut travailler avec les acteurs locaux dans la gestion des sites patrimoniaux. Et pourquoi aussi, comment nous avons travaillé avec les chefs traditionnels, le droit coutumier, et ainsi de suite. Voilà. Donc, défiler toute la page, si c'est possible. Au cours de la décennie 2009-2019, ce que nous avons fait au plan patrimoine immatériel. Et nous avons pu être élus au comité intergouvernemental de sauvegarde du PCI. Nous avons également réussi l'inscription des pratiques du balafon, pratiques et expressions culturelles liées au balafon, avec des pays environnants, le Burkina, notamment le Mali et la Côte d'Ivoire. Nous avons l'accréditation de l'ASAMA, c'est une association qui travaille dans la promotion des masques. Nous avons aussi également, nous avons pu avoir la participation du Burkina à l'organe subsidiaire du comité intergouvernemental de la sauvegarde du PCI. Nous avons en 2015 fait au Burkina pour la première fois la proclamation des trésors humains vivants. Nous avons eu l'élection d'un compatriote en qualité d'expert individuel dans le groupe 5 Afrique. Et puis, Assama a été retenu comme chargé d'évaluation des dossiers. Et au niveau du patrimoine matériel, bon, là, c'est juste un tableau qui récapitule l'inventaire que nous avons réussi à faire au niveau du Burkina. Un inventaire qui montre que pour l'instant, nous avons pu recueillir 1295 éléments du patrimoine culturel immatériel, et c'est là dans toutes les 13 régions du Burkina Faso. C'est une expérience que nous avons tentée, ce n'est pas tout, mais il fallait le faire pour mieux organiser les inventaires, les prochains inventaires. Et quelques photos sur la diapo suivante, voilà, qui montrent voilà, l'arc capillaire. Comment est-ce qu'on cardait le coton pour obtenir des fils, la teinture. En bas, nous avons les femmes des Tiébélé en train donc de décorer les cases, parce que dans cette localité, les hommes construisent les maisons et les femmes s'occupent de la décoration. Et c'est un art qui est transmis de mère à fille et qui connaît des difficultés actuellement parce que bon, toutes les filles sont scolarisées et souvent loin de leur milieu, qui fait que la transmission des connaissances est compliquée. Et après, nous avons une potière. Généralement, au Burkina, les femmes, les forgerons sont des potières. Donc, voilà. Au niveau du patrimoine physique, donc du patrimoine matériel, dans le même temps de 2009 à 2019, ce que nous avons pu, c'est obtenir trois inscriptions. D'abord, les ruines de l'Oropéni, qui est un site culturel. Ensuite, le complexe W Arli Pendjari en 2017 et les sites de la métallurgie ancienne du fer en 2019. Nous avons organisé dans cette dizaine d'années-là des grandes rencontres, des colloques, des formations. Nous avons pu faire, pu obtenir la création d'une direction au ministère de la Culture qui s'occupe des sites classés patrimoine mondial. Et nous avons organisé aussi pour la première fois au Burkina Faso une rencontre du groupe 5A. C'était à la veille donc du sommet de Bakou. Au total, on peut dire qu'au Burkina, nous avons
453 000 hectares d'espace inscrits, et puis 9, en gros, 1 205 000 hectares pour des zones tampons. Voilà quelques images des sites retenus au patrimoine mondial, comme les ruines de l'Europénie, un grand établissement abandonné, superficie 11 130 mètres carrés et structure en place depuis le 11e siècle. C'est la date que nous avons. Nous pensons que le site est plus ancien que cela parce que l'histoire du site est encore à préciser avec les travaux en cours. Ensuite, deuxième site obtenu, et les images, s'il vous plaît. Voilà. Deuxième site obtenu, c'est l'inscription. Deuxième site culturel, c'est donc la métallurgie du fer. Et là, vous avez en image le site du complexe WAP, W. Ali Pendjari. C'est un site qui se trouve à cheval entre le Burkina, le Bénin et le Niger. Voilà. Venons maintenant sur le vif du sujet. Pourquoi travailler avec les acteurs locaux de la gestion du patrimoine, des sites patrimoniaux? Et disons pour commencer que c'est pour respecter les termes des conventions. Et justement, nous apprécions très bien la présentation de Vincent Nigri qui a abordé quelques-unes de ces conventions, de ces textes réglementaires. Nous avons l'obligation de travailler avec les acteurs locaux parce que nous avons ratifié des conventions. Il faut respecter les termes de ces conventions-là. Par exemple, si on prend la convention de 1972, notamment l'article 27, il est dit clairement qu'il faut que les États s'efforcent par les moyens appropriés, et notamment par des programmes d'éducation, d'information, de renforcer le respect et l'attachement de leur peuple au patrimoine culturel et naturel. Ils s'engagent à informer largement le public des menaces. Donc déjà, cet article-là nous oblige à aller vers l'habitant, vers les acteurs locaux. Nous avons aussi la convention de 2003 qui également nous dit ceci, elle reconnaît les communautés et les groupes, le cas échéant, les individus qui créent, entretiennent et transmettent ce patrimoine-là. Et dernière raison qui fait que nous sommes obligés de travailler avec les acteurs locaux, c'est que l'État burkinabé n'a pas la capacité d'envoyer des agents sur tous les sites du pays. Et donc, les quelques agents qui y vont et donc tissent des relations avec les acteurs locaux pour la gestion donc, de ces sites. Alors, il y a aussi la constitution du Burkina Faso. Hein, et quand on parcourt cette constitution-là, il y a deux articles qui nous interpellent et qui font que nous devons travailler avec les acteurs locaux, notamment l'article 18 et l'article 30. Ce dernier article, par exemple, dit que bon, tout citoyen a le droit d'initier une action ou d'adhérer à une action collective sous forme de pétition contre des actes lésant le patrimoine public. Voyez. Et donc, pour éviter cela, on est obligé de sensibiliser, comme le demande la Convention de 72, de sensibiliser ou en tout cas de poser des actes pour éviter que la population, les habitants ne se soulèvent contre justement des actes lésant le patrimoine culturel. On passe à la diapo suivante. Donc, pour le droit coutumier, voilà, je dis très rapidement que au Burkina Faso, il y a une coexistence de plusieurs systèmes. Il y a le droit coutumier et il y a les normes de l'État. Et ce qui fait qu'on ne peut rien faire sans utiliser ces deux normes de gestion. Allez, diapositive suivante. Voilà. Alors, avec les acteurs locaux sur le terrain, nous avons réalisé des inventaires. Nous avons fait de la sensibilisation sur la protection. Nous avons fait des guidages de sites. Nous avons travaillé pour la restauration et pour la sécurisation. Et en retour, ces populations reçoivent de nous de l'assistance, par exemple, pour sensibiliser sur l'hygiène de leur habitation, pour les installations de toilettes
et nous les avons aidés à avoir des documents d'identité, comme des actes de naissance pour les enfants, les cartes d'identité, etc. Diapo suivante. Voilà. Alors, le cadre réglementaire de la contribution des acteurs locaux, c'est quoi? En réalité, nous ne sollicitons pas les acteurs locaux de manière informelle. Nous les impliquons à travers des cadres. Nous avons les comités, par exemple, de gestion des différents sites, et ces comités sont présidés par les maires, représentant les habitants. La vice-présidence est assurée par le ministère en charge de la culture. Et au niveau de ce comité-là, les membres sont souvent les services techniques de l'État qui sont dans la région, les associations, les chefs de terre ou de village et les différents chercheurs. Et nous associons aussi les personnes ressources ressortissantes de la localité. Ce sera la dernière diapo. Donc, la conclusion, je dis simplement qu'au cours de la décennie 2009-2019, nous avons travaillé avec les acteurs locaux en respect de l'esprit de la Convention de 72 et de 2003 et de la Constitution du Burundi. Et nous avons travaillé avec le droit coutumier parce que c'est au Burkina, il y a une coexistence de plusieurs systèmes de normes et il y a aussi la pluralité des instances d'arbitrage. Je vous remercie.